I'm gonna love you. Tu connais la musique? De temps à autre, pour une mission, on n'a pas le choix. Faut se pomponner. D'ailleurs, tu es très élégant. Je te renvoie le compliment. Je me sens pas dans mon élément. Je te raconte pas le soulagement de tomber sur quelqu'un qui parle ma langue. Même si on n'est pas du même pays. Ça, j'y suis pour rien, faut voir avec mes parents. Je vais aller me chercher un verre. Je te rapporte quelque chose? Oui, un whisky. On the rocks. Je reviens vite. Nate? T'as entendu tout ça? Ouais. On dirait bien qu'une dame veut te payer un verre. Ah oui, mais c'est pas n'importe qui, cette dame. C'est Nadine Ross. Nadine Ross? C'est la même Nadine qui a une armée de mercenaires? Coastline, c'est ça? Shoreline. Ah oui, voilà. T'as pas eu un souci avec eux? Ah, ça c'est peu dire. Mais heureusement, elle a pas l'air de m'en avoir tenu rigueur. Voilà, je suis prêt. Ok. Ça y est, on est prêt à y aller. Essaie de ne pas t'attirer d'ennui. Oh, je vais essayer. On y va? Ouais, c'est parti. Il va falloir qu'on trouve où crèchent les serveurs et les traiteurs. On devrait pouvoir en faire sortir un de la cuisine. Ok, alors direction la cuisine. Eh ben, il y a assez de bouffe ici pour nourrir tout un village. Juste vérifier. Et... eh ben, c'est fermé. Ouais. Viens voir par ici. Nous y voilà. Que la lumière soit. Et la lumière ne perdura pas. T'aurais pas une lampe sur... ça fera l'affaire. C'est toujours une bonne idée d'avoir un fumeur avec soi. Enfin, sauf s'il faut courir. Ces vapeurs-là, ça commence à me monter à la tête. Heureusement, c'est celui qui conduit. L'entrée de ces conduits est peut-être cachée par ces tonneaux. C'est plein de millésimes très rares. Ouais, peut-être qu'Alcazar se contentera de quelques bonnes bouteilles. Quelque chose me dit que ça suffira pas. C'est pas un peu inquiétant que Victor drague Nadine Ross? Tu sais, il y a des histoires flippantes qui courent sur elle et ses hommes. T'inquiète pas pour celui. Il peut sortir de n'importe quelle situation. Thank you.
Hé, hey, ces conduits d'aération, voilà notre sortie. Ouais, faut trouver un truc pour grimper. Aïe, j'ai compris. Surtout que personne ne vienne m'aider. Tiens le briquet. Je tiens le briquet. Allez, on grimpe. Et voilà. Ah, c'est plus serré que ce que je pensais. Et plus sale aussi. Chut, chut, chut. Merde. Les serveurs. Le chauffe fait à peu près ma taille en plus. On risque pas de manquer de serveurs dans le coin. Ok. Pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Oh, enfin le bon air frais. Eh, hey, viens voir ça. Tu vois le bâtiment avec la tour radio, là? Tu veux dire la tour de relais? La quoi? Peu importe, c'est le local électrique. Ouais, t'as raison. Faut qu'on trouve un moyen de passer cette porte. Sam, là-haut, je vais t'aider à monter. Vas-y. Allez. Heureusement que tu t'entretiens. On vient de sortir de la cave, on se dirige vers le local électrique. Comment ça se présente? Sully? T'es là? Ah, il doit avoir du mal à capter là où il est. J'espère qu'il va bien. J'ai trouvé la cuisine! Et bien sûr, elle est fermée. Sam, regarde. On peut peut-être utiliser ça, trouver une fenêtre et entrer dans la cuisine. Ah, bonne idée. Je t'aide à grimper là-haut et toi, tu t'occupes de l'échelle. Buonasera. Ma che sta facendo? Vas-y mollo avec les civils, Sam. Quoi? Il va se réveiller en quel but avec la migraine? Ça nous est déjà arrivé, non? C'est vrai. Bon, j'ai fait mon taf. Fais le tien. Ok. Ok, direction le local électrique. Sam, tout va bien? Ça va, c'est juste que ce pantalon est un peu trop serré. Ah, c'est la mode, qu'est-ce que tu veux? Sérieux? Mais je peux plus respirer. Ah, bah c'est sûr qu'on est plus à l'aise en tenue de taulard. Bon, retourne à la salle de bal, gros malin.
Sam, t'es là? Sam? Sully? Super. Les gars, si vous m'entendez, je suis plus très loin du local électrique. J'y serai bientôt, si tout va bien. Ah, oh merde! C'était quand même un peu osé de votre part. Pas qu'un peu. Non, on a quand même été mis en prison pendant plus d'un mois. Et qu'est-ce qui est arrivé au cheval? Eh ben, heureusement, on avait prévu tout un tas de carottes à bord. T'as vu quelqu'un que tu connais? Non. Je l'ai cru un instant, mais non. Alors quand est-ce que tu vas enfin me présenter ton fameux partenaire, Drake? En fait, c'est mon ex-partenaire. Non, ça fait un petit moment que je roule en solo maintenant. Drake est hors circuit. Oh. Alors, il est mort? Non, disons qu'il a pris sa retraite. Aux dernières nouvelles, il était rangé et il venait de se marier. Dans ce cas, c'est un peu comme s'il était mort, non? Victor Sullivan. Ravi de te revoir. Bref. Ça fait un sacré bail. 10 ans, peut-être. 12? Non, 15. Incroyable, le temps ne cesse de s'écouler.